Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de magie qui m'a été présenté par un abonné. Il s'appelle Nihon Magique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien de sa chaîne YouTube. Et vous pouvez également le retrouver sur Instagram. Il a accepté que je vous partage cette idée, cette routine. Alors bien entendu, vous allez voir, je me suis un peu approprié cette routine en créant une petite histoire, en créant un texte autour de la routine. Je trouve que ça rend plutôt bien. Bref, comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de la vidéo et dans la section commentaires. Et pour les autres, je vous laisse pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour qui se fait avec quelques cartes. Donc en main, en fait, 4 cartes qui sont en réalité 3, 5 de cœur et un joker. Alors, ce joker est très spécial, hein. C'est un joker qui réagit un petit peu comme le coronavirus. Vous savez, ce fameux virus qui contamine beaucoup de monde depuis quelques mois. Et bien de la même façon, si on l'isole, rien ne se passe. Par contre, si on le met en contact avec les autres cartes, et bien il peut revenir à chaque fois. Donc je vous montre, regardez. On met le joker face en bas entre les cartes, on laisse agir et avec le temps, comme le virus, le joker peut revenir face en l'air. Et ça, c'est uniquement si on le met en contact, parce que si on l'isole, rien ne se passe, hein. Donc je vous remontre, je le mets en contact vraiment face en bas avec les autres cartes, tout doucement, on laisse agir et comme le virus, avec le temps, il peut revenir bien face en l'air. Hein. Mais on sait aussi que si on laisse agir et qu'on laisse faire comme ceci, parfois, avec le temps, le virus ou le joker peut disparaître. Mais on sait aussi qu'avec le temps, le virus est susceptible de muter jusqu'à changer de couleur, tout comme le joker. Mais on nous a dit aussi que s'il mutait, il pouvait devenir encore plus contagieux et donc forcément contaminer beaucoup plus de monde beaucoup plus rapidement. Donc faites attention. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite démo. Donc je remercie Nihon Magique de m'avoir autorisé à partager ça avec vous. Je trouve que cette petite routine est vraiment très agréable à présenter. C'est pas si compliqué que ça à réaliser. Et avec le petit texte que j'ai rajouté, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de soutenir la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, mon école de magie 100% gratuite, www.magistreaming.fr, où vous pourrez retrouver les bases de la cartomagie, de la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués et bien plus encore. Et également, si vous souhaitez me soutenir, vous avez également sur le site l'onglet Magie Streaming pour retrouver des DVD, des vidéos en streaming, de tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!